Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais même pas pourquoi t'as cliqué, je t'avais dit de pas cliquer dans le titre. Donc vidéo, si t'es encore là, on y va. Vidéo où je vous montre les achats que j'ai fait chez Action. Que de la boule, il y a que de la boule, oh, presque que de la boule. Rien d'intéressant, donc pars tout de suite. Mais si tu veux rester, je t'aurais prévenu. Je te montre mes petits achats tout de suite. Alors, j'ai été faire les petites courses avec Nani, vite fait Action, et je me suis tâtée comme ça, pendant un quart d'heure devant le rayon boule. Dégoûtant. Ah, j'aime pas. Oh, dégoûtant. Bref, je me suis tâtée devant un quart d'heure. Je me suis tâtée devant le rayon boule, et donc, du coup, j'ai quand même craqué pour des boules de Noël. Et en fait, sachant que je ne sais pas encore si on va faire un sapin, parce que là, j'ai un sapin, mais il doit faire 80 cm, il est en industriel, voilà. Et donc, du coup, on verra ou pas si je fais un sapin, je vous montrerai ça sur Instagram. Donc, bref, j'ai trop parlé déjà. Donc, j'ai pris des boules de Noël. Alors, je voulais partir dans un thème un petit peu blanc-rose, voilà. Donc, j'ai pris les boules blanc et rose. Hein. J'ai pris des boules comme ceci. Donc, elles font. Bon, on s'en fout de combien elles font, mais elles sont comme ceci. Il y en a 6 à l'intérieur. Ok! Ensuite, j'ai pris dans la même dimension des boules roses. Trop jolies, comme ça. Trop belles. Ensuite, plus petite dimension, j'ai pris celle-ci. Vous en avez 24 à l'intérieur, ça fait 25 cm de diamètre. Hop, elles sont trop belles. Et en fait, elles sont, je sais pas si vous verrez, mais les roses, elles sont nacrées. Et là, vous avez des pas nacrées, donc voilà. Elles sont trop jolies. Et on a de la boule, hein. Tu veux de la boule, en veux-tu, en voilà. Ensuite, j'ai pris des boules, hein. 15 boules comme ceci, blanches. S'il y a de plus classique, de toute façon, c'est exactement la même couleur. De toute façon, je te dis, ce haul, il a rien d'intéressant. Encore de la boule. Et en plus petite, 9 à chaque fois, donc 9 et 9, 18. Comme ceci, voilà, j'ai pris des blanches et des roses. Bah, c'est le thème, pute, c'est le thème. Donc voilà, tu kiffes mes boules, hein, tu kiffes ce haul. Je t'avais dit de te barrer, casse-toi. Et ensuite, là, j'étais obligée de craquer ce petit assortiment de boules. Il y en a 18 en tout et je trouve ça pas mal parce que vous avez différentes couleurs. Voilà, trop joli. Franchement, celles-là, elles sont trop magnifiques. Alors, je vais essayer de vous faire la photo de couverture pour cette vidéo, ça va être compliqué. Faut pas que je fasse tomber mes boules. Voilà, ça c'est fait. Hop là, on adore. Donc voilà tout ce que j'ai comme boule pour mon sapin. Sachant que je ne sais pas, comme je vous dis, si je vais acheter un sapin et je ne sais pas quelle dimension il va faire. Donc grosso modo, ça nous donne tout ça. Hop là, je ne sais pas si j'aurai assez ou pas, si j'aurai trop. En tous les cas, je garderai le ticket de caisse. Alors ensuite, on va partir dans d'autres boules. J'ai pris des petites attaches comme ça. Et vu que je ne sais pas compter, j'avais la flemme de compter, j'en ai pris 2. Hein, voilà. Donc vous en avez 50 à l'intérieur et ça vous savez c'est les petits picots, là, tout ce qu'il y a de plus simple pour attacher vos boules, hein, voilà. Tu kiffes ce haul. Je t'avais dit de te casser. Ensuite, on passe à la boule et ensuite j'ai 3 autres articles qui ne sont pas boulaires. Donc pour mon frère, j'avais vu ça dans un vlog de Maxine Makeup et je trouvais ça trop stylé et je suis trop contente de les avoir trouvés. Donc en fait c'est une guirlande de boules de Noël nordique. Donc, il marque que c'est nordique et franchement, je les trouve trop classe. Trop classe. Et je trouve que c'est nickel pour un mec. Ça peut être nickel pour une fille aussi, hein, mais pour un mec, ça peut être nickel. Donc, j'ai pris celle-là, les grises, et vous en avez 10. Et comme je vous l'ai dit, c'est des LED et vous avez les piles dans les trucs classiques. Et ensuite, j'ai pris celui-là. C'est celui-là que Maxine Makeup avait acheté. Franchement, trop joli. Trop beau. Je kiffe. C'est les mêmes motifs, mais en mode rouge. Et franchement, elles sont trop belles. Alors, attendez. Hop là. De toute façon, mon frère regarde même pas mes vidéos. Donc voilà, ça se présente comme ça. Franchement, c'est trop stylé. Je kiffe. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que sur chacune des boules, vous avez un petit tire-kiki comme ça. Donc après, il faut le,
Faut le couper quoi, faut pas que tu coupes la boule non plus, mais voilà, tu le coupes. Bon, il se démerdera, il coupera sa boule tout seul. Ouais, c'est bon, je vais pas lui couper les boules. Hein. Si je suis motivée, je vais compter le nombre de fois où j'utilise le mot boule dans cette vidéo. On verra ce que ça donne, on verra le compteur. Alors ensuite, d'autres produits que j'ai pris ceci. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est une prise, une multiprise, voilà, qui fait 1,5 m de long, voilà, pour information. Vous avez 1, 2, 3... trois petites tours de cucu pour pouvoir mettre les prises, et vous avez le petit bouton qui va bien, le petit bouton que tu éteins le soir quand tu vas te coucher, comme ça tu éteins tous tes appareils qui sont en veille. Donc voilà, on adore. Hey, je me suis laissé tenter par des cotons comme ceci, je les ai pris pour tester parce que j'avais jamais testé. Donc ce sont des cotons pâtes, disques de coton bio, ok. Et dedans, donc vous en avez 40 pièces, c'est pas énorme, et c'est 100% coton, à la baie de joji et de vitamine C, tenir hors de la portée des gamins. Donc voilà, les petits cotons pads, je les avais jamais vus. Donc je vous en parlerai dans les produits terminés. Et enfin, j'ai trouvé ce petit jeu là, pour la petite choupette. Bon, ce sera pas pour tout de suite, quoique je peux quand même commencer. Donc c'est mes 100 premiers mots. Donc il y a 50 cartes recto verso, du coup ça vous fait 50-100 mots. Et en fait voilà, ce sont des cartes comme ceci. Et vous avez, alors voilà, hop, le ballon. Le ballon, c'est écrit ballon et derrière c'est un arbre. Voilà, aucune concordance entre les deux cartes, mais je trouvais ça pas mal. Ça fait un petit imagier et je trouvais ça plutôt cool. Donc je me suis dit pourquoi pas. L'oreille, elle est où l'oreille? Ça c'est bien ça, est-ce qu'il y a le nez? Oh je sais pas, oh j'ai la flemme. Et s'il y a l'oreille, j'espère qu'il y a le nez, parce qu'il faut pas déconner. Vous avez des animaux, vous avez des fleurs, des véhicules. Qu'est-ce qu'on a? Des objets de la vie courante. Encore, là, disons, il y a plein d'animaux, quoi. Super. Le seul truc un peu dommage avec ce genre de truc, c'est que du coup, les animaux, en fait, je sais pas si les gamins, ils reconnaissent les... Vous avez le slip? Ah non, la culotte. Ah, excuse-moi, c'est plutôt un slip. Hein. Ok. Le pied. Bon, déjà, on a le pied. On n'a pas le nez. Bon. On n'a pas le nez, super. Donc je te disais, ouais, c'est que après, vu les dessins, peut-être que voilà, c'est un arbre, mais ça représente pas vraiment un arbre. Hein. Vous avez compris, c'est toujours abstrait les dessins, quoi. Ah. Pouf. Ah bah t'es encore là? Mais pourquoi t'es... C'est fini, il n'y a plus rien à présenter. Déjà que c'était pas intéressant, faut pas rester en croyant qu'il y a des trucs de ouf. Non, il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de ouf, je suis désolée pour toi. Bon, ok, puisque t'es encore là, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire gagner un petit cadeau. Donc, le petit cadeau, ce sera... Tu choisis. Alors, attends, j'arrive. Voilà, je suis là. Donc, soit le petit gold mask pour la bouche, soit le petit masque au... Tu vois, le masque bubble mask, mais au charbon. Ok, donc pour tenter de gagner ce petit cadeau, donc tu réponds à la question mystère. Tu trouves toutes les informations de la question mystère dans la barre d'infos. Par contre, fais attention parce que ne réponds pas, donc c'est un des deux. Hein. Tu m'enverras un mail en me disant lequel des deux tu préfères. Et n'oublie pas quand tu m'envoies ton mail de me mettre ton adresse postale, parce que j'ai reçu plein de réponses à la question mystère, mais en fait j'ai pas l'adresse postale. Donc le but de la question mystère, c'est d'envoyer directement le colis dès que j'ai ton adresse. Et donc voilà, donc réponds bien à la question mystère en suivant le protocole. Ne réponds pas à la question mystère dans les commentaires. Suis bien le protocole, je l'ai déjà dit. Et puis donc voilà, donc et tu m'envoies le mail en me disant si tu préfères ce truc là ou ce truc là. Et n'oublie pas ton adresse. Et voilà, ça y est, le haul il est vraiment fini. Donc c'est bon, tu peux te casser, tu peux aller faire ta vie, tu peux aller avec tes enfants, ton gamin, ton marmou, ou manger une pizza, tu fais ce que tu veux. Donc dans tous les cas, désolé pour ce haul pas très intéressant, mais je vous l'avais dit. Je vous remercie de m'avoir regardé quand même, je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Plein de bonnes choses. Bonne fête de Noël. Hein, voilà, si on ne se revoit pas avant, on ne sait jamais. Et très très bonne continuation. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.